Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon make-up d'automne préféré que je pourrais faire à chaque jour. Fait que, regardez la suite. Bon, là, premièrement, j'enlève mes lunettes. Je vais prendre ma palette d'ombre à paupières, la Twilight que j'ai achetée sur Wish. Dans la palette, je vais prendre la couleur Twilight et la couleur T-Fruit. Je vais commencer par la couleur T-Fruit. Avec mes deux pinceaux de Real Technique, fait que j'ai défini le creux de ma paupière avec la couleur T-Fruit. Puis je le trouve quand même pigmenté comme maquillage. C'est un des ombres à paupières que j'ai vu les plus pigmentées. Après ça, je vais prendre mon autre pinceau de Real Technique et je vais prendre la couleur Twilight. C'est un rouge un peu bourgogne que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Après ça, je prends un autre pinceau vraiment très mince de Real Technique pour mettre la couleur royale, la plus pâle de la palette, dans le creux interne de mon œil pour faire un point de lumière. Après ça, je prends mon mascara volumineux de L'Oréal Carbon Black. Ça fait quand même un peu de temps que je l'ai. Fait que vous l'avez déjà sûrement vu dans mes autres vidéos.
c'est ce qui est fini pour les yeux. Là, je suis rendue à mes lèvres. J'utilise une collection exclusive de L'Oréal dans la couleur 610. C'est un genre de brun. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce qu'il devient mat et il transfère pas quand tu bois, puis il dure à peu près toute la journée. Vu que j'ai donné l'accent sur mes yeux, je mets un rouge à lèvres un petit peu plus neutre. Ça, c'est mon bronzer de Marie Kay dans la teinte Light Medium. Puis il est un petit peu plus foncé que la teinte de ma peau. Ça donne un bel effet de réchauffement, mais il n'est pas tant plus foncé, fait que c'est pas un gros contouring non plus. J'utilise un pinceau de Real Technique à bronzer. Là, je creuse mes joues. Après ça, je vais aller faire dans mon front, un genre de 3. Après ça, je vais aller délimiter un peu sur ma mâchoire. Pour faire une belle effet de bronzer naturel. Après ça, je vais prendre un autre pinceau de Real Technique. Puis mon highlight de Marie Kay. Puis je vais en mettre un peu en dessous des yeux sur mon nez. Ça va être parfait comme ça. Maintenant, je vais mettre mon blush de Marie Kay la teinte dans le rose. C'est un duo highlight et blush. Voilà ce qui conclut mon maquillage d'automne que je pourrais faire tous les jours. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.